comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Et je retrouve... Vous avez compris. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon chien en mousse. Mon chien dans la tasse. Voilà. J'ai pas du tout avancé, hein, je vais vous l'avouer. J'ai plus avancé sur le link que sur autre chose. Parce que je veux vraiment le mettre dans le bureau de mon chéri. Donc j'ai avancé beaucoup sur le link. Ah, excusez-moi. Hop, ça fait du bruit. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Alors, aujourd'hui, nous sommes... lundi. J'ai eu un bug là. Nous sommes lundi et vous n'avez pas eu de vidéo. Mais zut, il est où le truc? Attendez que je cherche le... les diamants. Ah, ils sont là. J'ai eu peur là, d'un seul coup. Donc, nous sommes lundi. Et donc hier, pour moi aujourd'hui, vous n'avez pas eu de vidéo. Pourquoi? Parce que normalement, ma vidéo de lundi, je la tourne dimanche. Et dimanche, ben j'ai eu toute ma famille. Du coup, je n'ai pas tourné de vidéo. Et ils sont restés jusque tard dans la soirée. Et après avoir passé toute la journée dehors, barbecue, etc. Hein, comment vous dire que dès qu'ils sont partis, j'ai fait ma vaisselle. J'ai été dormir. Voilà. Et ce matin, je me suis dit, oh allez, vas-y, je vais tourner quand même une petite vidéo pour leur mettre aujourd'hui. J'avais mon fils qui était réveillé. Et donc monsieur, il avait décidé que non, je ne tournerai pas de vidéo. Donc il était à côté de moi. Puis au début, ça allait. Il regardait ses petites vidéos et tout. Il jouait avec ses voitures, il était tout sage. Et au bout d'un moment, il s'est mis à chanter. Il s'est mis à parler. Il s'est mis à me montrer les voitures et à me demander les couleurs. Enfin, c'était pas du tout possible, quoi. La vidéo ne ressemblait à rien. Je fais bon, bah tant pis. Ils n'auront pas de vidéo aujourd'hui. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo hier? Tout simplement. Parce que j'ai fait la fête avec ma famille. Et que je n'ai jamais... enfin, je n'ai pas de vidéo d'avance. Il faudrait que je vous tourne des vidéos d'avance. Et que quand c'est comme ça que je peux pas vous tourner une vidéo, je vous la mette. Comme ça, vous avez quand même une vidéo. Mais je n'y pense pas forcément. Là. Je suis un peu dans mes vidéos au jour le jour. Mais viens avec moi. Alors, merci pour tous les commentaires que vous avez laissés pour ma fille. Elle était trop contente. Elle fait, tu crois qu'ils vont aimer? Ben oui. Et franchement, merci pour elle. Elle a lu les commentaires et tout. Elle était vraiment contente. Donc vous aurez peut-être pas les vidéos tous les samedis, hein, comme je vous disais. Mais peut-être un samedi sur deux, je ne sais pas. Tout dépend quand est-ce qu'elle va faire son DP. Comme là, vous voyez, cette semaine, ma fille donc s'en va demain. Enfin, c'est la semaine papa, donc la semaine papa, elle n'est pas beaucoup à la maison. Elle est à la maison 4 jours sur 7. Et quand elle est à la maison, souvent, bah, c'est pour les devoirs, du coup. Attendez, vous ne voyez plus là. Hop, je vous tourne un petit peu. Voilà. Excusez-moi. Oh là là. C'est pas bien.
Putain, j'en ai plus que 3, je vais pas les remballer. Hein. Hop, on bouge un peu. Quand je dis que des fois ça déborde. Ouais, pourquoi ça déborde? Voilà, ça c'est fait. Maintenant, le F. Alors aujourd'hui, on a, enfin, les enfants ont profité de la piscine, il faisait bon. Je pense que demain, il va faire encore plus chaud, c'est ce qu'il prévoit. Du coup, les enfants, moi, ils sont ravis. Ils peuvent enfin reprofiter de la piscine. Et du coup, aujourd'hui, je me suis mis dehors avec mon coloriage. Et j'ai testé, parce que j'ai reçu les feutres de chez AliExpress, les 120 là. Donc, de toute façon, je vous en reparlerai donc mercredi. Parce que mercredi, nous avons une petite vidéo coloriage. Donc, mercredi, je vous en reparle et je vous expliquerai tout ça. Les points positifs, les points négatifs, mes petits coups de gueule, enfin voilà. Notre journée coloriage. Et mon chéri qui est en train de faire un live à côté, il est en train de gueuler. Non, je sais même pas s'il est en live. Non, il doit être en train de jouer avec ses frères. J'ai pas vu son logiciel de live allumé. Vu qu'on a le même logiciel, en fait. Ah, j'avais encore des points d'interrogation. Donc ouais, vu qu'on a le même logiciel, quand son logiciel est ouvert... Je le repère assez vite. Mais non, je crois que là, il était pas ouvert. Et si vous voulez, tiens, d'ailleurs, en parlant de live, mercredi soir, 21h, 21h15, tout dépend le dodo de mes enfants, s'ils sont motivés à aller coucher ou pas. C'est aux alentours de 21h, 21h15. Hein. Je fais un live sur Twitch. Pourquoi sur Twitch? Parce que il y a moins de restrictions sur Twitch que sur YouTube. C'est-à-dire que sur Twitch, je peux mettre de la musique en fond quand je fais mes lives. N'importe quelle musique. Je ne suis pas démonétisée. Parce que je ne suis pas monétisée vu que je n'ai pas assez d'abonnés de toute façon. Hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Et on peut dire un peu ce qu'on veut sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir mercredi soir sur ma chaîne Twitch. Vous avez en bas le lien. Je peux pas faire deux choses en même temps, attendez. Le lien en barre d'infos, bien sûr, pour venir. Donc 21h heure française. Donc je sais pas quoi, à quelle heure ça fait heure canadienne. Je ne sais pas du tout. Et voilà. Et donc mercredi, eh ben, on va faire du diamond painting. Donc je ne sais pas encore si je fais des stylets. Ou si bah, on va avancer un petit DP ensemble et qu'on va discuter. Tout dépend en fait. Si vous êtes plusieurs à venir, on fera sûrement du DP parce que comme ça on peut discuter. Et si je vois que... de toute façon je vais commencer par du DP. Hein. Si je vois qu'il n'y a personne, je ferai sûrement un stylet. Parce que quand c'est comme ça en fait j'ai pas besoin de discuter.
Enfin, s'il y a du monde qui me parle, je réponds, bien sûr. Je suis pas non plus super associable. Mais c'est vrai que si je fais un stylet, voilà, j'ai pas forcément besoin de discuter avec. Donc je ne sais pas encore, ou je sais pas, dites-moi ce que vous voulez en live. Si vous avez des questions d'ailleurs, préparez peut-être des questions pour me poser des questions. Combien de fois combien de fois le mot question je l'ai posé? Je l'ai dit beaucoup, hein? Donc si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas. Mercredi soir. Donc vous aurez la vidéo le matin, enfin mercredi matin et jeudi matin, il n'y a pas de problème. Mais mercredi soir, donc ça sera Diamond Painting. Tout simplement. De toute façon, j'en reparlerai dans les vidéos. Je dirai aussi d'autres petites choses. De toute façon, je vais expliquer quelques petites choses pendant le live et tout. Mais ça peut être plutôt sympa. Enfin, moi, je sais que j'aime bien participer au live sur Twitch. Allez, tourne-toi. Voilà, oh, elle. Voilà, pas ta tête de cochon, là. Merci. Les petits pourcentages. Donc, je suis toujours avec ma petite boîte comme ça. Vu que le pilier, je l'ai donné à ma fille pour son DP Pikachu. Faut que je m'en recommande. Ou alors, faut que je mange plein de tic-tac. Pour récupérer les boîtes de tic-tac. Je sais pas. Ou je vais m'imprimer des petites boîtes. Avec l'imprimante 3D de mon chéri. Je vais essayer de voir si je peux pas trouver des petites boîtes. Des petites, parce que j'en ai trouvé. Mais c'est des grosses boîtes et... Voilà quoi. Voilà, vu que j'ai plusieurs DP en cours, si je mets toutes ces boîtes là, c'est bon quoi. Excuse-moi. Alors là, je suis impatiente d'avoir ma paye. Vous ne pouvez pas savoir comment. J'ai fait un custom pour ma fille sur sa série préférée Miraculous, Ladybug. J'en ai pour un peu plus de 20 euros. Bon, c'est un 50 par 75 chez Onfen. Mais il est juste magnifique.
Du coup, même si j'en ai encore plein à faire, je sais que dès que j'ai ma paye, je le commande. Comme ça, je vais le recevoir. Alors là, il arrive au mois de juin. Je vais le recevoir fin juin, début juillet. Et son anniversaire, en fait, c'est au mois d'août. Du coup, je voudrais bien le finir. On le verra, hein. C'est pas vraiment une surprise, mais je voudrais bien l'avoir fini pour son anniversaire, comme ça. Ça lui ferait un beau cadeau. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence? Non, on va faire un peu les haies là. Enfin, les. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, j'appelle ça des haies, c'est le symbole haies. Demain, j'ai une livraison de meubles qui doit arriver dans la journée. Je pense que demain, je vais faire du sport. En fait, je suis en train de refaire toute la déco de ma maison. Et justement, ma cousine refaisait toute la déco de sa maison. Et elle me téléphone, elle fait « Oui, j'enlève tous mes meubles. Est-ce que ça te dit ?»« Ah bah écoute, oui. Oui, oui, vas-y, donne. » elle fait bon, il y a des trucs qui sont usés, hein, il va falloir que tu les repeignes et tout. Il n'y a pas de problème. Donc là, je sais que j'ai un grand bureau qui doit arriver. Donc pas pour moi, pour ma fille. Qui est en bois très très foncé. Et donc ça ira pas du tout dans la chambre de ma fille. Donc déjà, je sais que celui-ci, je vais le poncer, le repeindre, le. Voilà. Déjà. J'ai une table de salon qui doit arriver. Parce que moi, c'est une table, pareil, c'est bois foncé. Et comment dire, je ne supporte plus le foncé chez moi. Vous savez, les vieux meubles de mamie, là. En... Enfin, après, c'est des meubles qui tiennent le coup. Hein, c'est des trucs qui durent dans le temps. Hein, là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vu que c'est à la grand-mère de mon chéri, c'est vrai que je ne peux pas les poncer, les repeindre et tout ça. C'est un truc, voilà, c'est un héritage. Je ne veux pas que j'y touche. Que là je vais recevoir des meubles de ma cousine et ben il n'y a pas de problème, je vais pouvoir m'amuser à aller à travailler. Donc j'ai des casiers, des trucs comme ça, je vais pouvoir bien refaire les chambres de mes enfants aux couleurs qu'ils veulent. J'ai une commode pour mon fils plus grande, ce qu'il a là d'ailleurs, parce qu'il a une commode bébé. Donc là ça va vraiment être une grande commode, donc je vais pouvoir lui refaire avec les couleurs couleurs qu'il aime, les couleurs Spider-Man, cards et tout ça. Donc ça va être cool. Je vais pouvoir m'amuser aussi dessus. Donc la table de salon, bah, c'est une ronde à l'origine, ce que je voulais. À l'origine, en fait, on a eu une rectangulaire. Après, on est passé à une semi-rectangulaire. C'est-à-dire, en fait, elle est rectangulaire, mais les bouts sont ronds. Voilà, donc un peu plus petit que ce qu'on avait. Nous, on n'est que quatre, en fait, donc on n'a pas besoin d'avoir une grande table. Si, quand toute la famille est là, oui, il faut mettre des rallonges. Et ce que je disais à mon chéri, moi, je ferais une petite table ronde. Et puis, quand toute la famille est là, et ben, on met les rallonges, tout simplement. Et là, ma cousine, donc, donne sa table ronde, donc blanche. Il faut redonner un coup, hein, parce que... Elle est quand même pas toute jeune à sa table.
et avec deux rallonges en plus. Je dis, mais c'est nickel ça. Donc bah, j'ai négocié avec monsieur pour que bah, la table qu'on a là, on la jette pas quand même. Parce que c'est vrai que quand toute la famille est là, nous sommes quand même dans les 13-15. Parce que quand il y a tous les petits-enfants, voilà. Bientôt, on arrivera bientôt à une vingtaine, quoi. Donc juste une table, ça risque d'être chaud. Donc je me suis dit, bah, la table qu'on a là, on la démonte, on la filme et tout ça, on l'emballe bien et on la descend au sous-sol. Et quand il y a tout le monde, et bah, la veille, on la remonte et on la remonte, quoi, on visse et tout ça. Comme ça, et on aura deux grandes tables, les bancs et tout ça, parce qu'on a des bancs, on a des chaises et tout ça. On va stocker ça au sous-sol et puis comme ça, quand toute la famille est là, c'est nickel. On n'a pas besoin de demander à beau papa, tu ramènes tes chaises, au frère, est-ce que tu peux ramener ta table de camping, etc. Ça sera moins la galère, quoi. On aura tout à la maison. Et bah, la semaine, quand il n'y aura que nous, plus les enfants que je garde, ils ont leur petite table à côté pour manger à leur hauteur. Comme ça, bah, ils peuvent pas tomber et tout. C'est vraiment à leur niveau. Et ben, voilà quoi, c'est... Il y aura plus de place dans la maison. Et la petite table des enfants que je garde, bah, le week-end, elle est rangée, quoi. Elle est pas dans le salon. Hein. Elle est seulement sortie quand ils sont là. Ah, ça y est, il recommence, lui. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Hein. Et si, Amao? Tu as faim? Mais tu as encore à manger? Bah si. C'est ça que j'avais fait. Attendez. Oh putain. Oh pardon. Mais je viens de me gourer. Vous pouvez pas savoir comment. Tout à l'heure, je me gourre. Attendez, je vous mets sur pause. Ben voilà. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bref. J'ai mélangé les et les pourcentages. J'ai tout enlevé. Et on va recommencer. Alors peut-être que je me suis même pas gourée, je sais plus. Je sais plus. J'ai du mal ce soir. Hop, voilà. Donc là, j'ai tout remis dans mes sachets correctement. Et donc... Aïe, pardon. Donc je sais plus. Voilà. On va faire... Les pourcentages. Je sais plus du tout ce que je vous avais dit. Mais ça fait rien. Là, je suis en train de penser, on fait les pourcentages. Oh là là. J'ai du mal ce soir. Mon stylet, il est où? Il est là. Ça, c'était mon stylo. Donc ça, c'est les pourcentages. Fifi, te bourre pas. La mamie, elle a du mal le soir. Oula. Peut-être que ce que j'avais fait, c'était bon en plus. Ça fait rien. Au moins, je suis sûre que là, ça sera bon. Et du coup, j'ai arrêté de parler, je suis vachement concentrée là. Je
J'ai pas envie de refaire des conneries. C'est ça de parler et travailler en même temps. Je vous dis, je peux pas faire deux choses en même temps. Je vous préviens, il va y avoir plein de nouveaux customs qui vont arriver. Là, ce week-end, donc j'ai eu le malheur de montrer mes diamants de painting à ma famille. Parce que oui, ma famille ne regarde pas ma chaîne. Tout le monde sait que j'ai une chaîne, hein, mais personne ne la regarde. Donc quand ils viennent à la maison, alors t'en es où dans tes diamants de painting? Bien, regarde la chaîne. Ah bah oui, mais j'ai pas le temps. Hein. Excuse-moi, mes vidéos, ils durent pas non plus 3 heures, quoi. Enfin, bref. Et donc, je leur ai montré le link et tout. Ce que j'étais en train de faire pour Julien, le mien dans ma cuisine, là. J'ai vraiment tout montré. Et je leur ai dit, là, donc, il y a un défi... Il y a un défi d'épée, donc on a pris une image, on l'a fait en custom et tout. Voilà, j'avais mis sur pause, désolée. Donc, je disais que qu'on faisait le défi avec le custom de la Gorgeous. Et que, donc ça c'est un... Mais le soir que je disais que j'allais faire pour Noël et j'ai montré la photo de mes beaux-parents. Donc voilà. Et là j'ai mon meilleur ami qui était là aussi, parce qu'il est considéré comme de la famille, hein, mon meilleur ami, plus tant qu'on se connaît. Donc oui, une fille peut être meilleure amie avec un homme. Moi je le connais depuis le lycée, il s'est jamais rien passé et ça a toujours été mon meilleur ami. Voilà. Et donc je lui montre, et lui il est fan de Star Wars. Donc quand je vous dis fan, c'est qu'il fait des cosplays, et il fait ses déguisements tout seul en fait, de Darth Vader et tout. Enfin bref. Et vu qu'il est très grand, très imposant, c'est vrai qu'il rentre bien dans le rôle de Darth Vader. Et donc il y a un photographe en fait qui l'a pris en photo. Et la photo est juste magnifique. Et il me demande, est-ce que tu penses que tu pourrais me le faire en diamant de painting et tout pour mettre chez moi, quoi. Je fais, bah oui, tu m'envoies la photo, je fais un devis. Oui, c'est bon. Je fais un devis, je te montre le rendu que ça va donner et tout ça, la taille. Tu valides pas. Et puis après, bah, je te le commande et je te le fais, quoi. Ok. Et ben voilà. Donc j'attends la photo. Parce qu'il va essayer de la retoucher un peu parce qu'en fait il est dans de la fumée et tout. Donc il va essayer pour voir pour qu'elle la rende mieux, même si elle est vraiment très belle comme ça. Il est en Darth Vader et on voit de la fumée qui arrive vers lui. C'est vraiment. Enfin, la photo est juste magnifique. S'il me l'envoie, je vais essayer qu'il me l'envoie ce soir pour vous montrer juste la photo avant qu'elle soit en custom. Vite fait, de toute façon je ne la mettrai pas en grand parce que j'ai pas envie qu'on vole la photo d'ailleurs. Et donc ben voilà, ça va être un futur custom. Tout simplement. Donc de toute façon vous la verrez en vidéo. Je lui ai demandé, je sais, tu penses que quand je vais te le faire, je peux filmer en même temps, vu qu'on voit pas ta tête, t'es sous le masque et tout, donc je peux.
Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Parce que oui, la photo de mes beaux-parents, je la fais pas en vidéo. J'ai pas envie qu'on voit la tête de mes beaux-parents. Ça aurait été mes enfants d'un côté. Voilà, je vous aurais pas montré tout, mais je vous aurais montré un bout. Bien que vous avez déjà. Enfin, si vous fouillez un peu dans les vidéos de ma chaîne, vous pouvez très facilement retrouver mon fils et ma fille. Qui ont grandi d'ailleurs depuis. Hein. Non, ah si, il y en avait un. Voilà, donc nous aurons bientôt un DP Star Wars. Tout simplement. Enfin, bientôt, dans quelques mois. Hein. Le temps qu'il se fasse, le DP. Hein. Mais bon, j'ai quand même pas mal de trucs à faire avant. Mais on aura du Star Wars. On aura aussi du Harry Potter, on aura du Doctor Who, du Fairy Tail, du... voilà, tout ce qu'on aime. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai du mal ce soir. Malgré ma bourde que j'ai fait là, qui n'est même pas une bourde, je crois. Je ne sais plus. Je verrai ça quand je vais regarder la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis bah moi je vais commencer à faire le montage de cette vidéo pour que vous l'ayez demain. Et n'oubliez pas mercredi soir le live sur Twitch avec le lien en barre d'infos. Allez, salut et merci !